Alors, OTEP, 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 bienvenue sur la page de Sikadi Bertrand, de mon vrai nom, Bertie le Kamit, et de mon nom de notable Mumbeso Mbumbon. Bienvenue sur ma page, bienvenue sur la page de Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette vidéo vous plaira, vie, force, santé à vous, pluie des bénédictions ancestrales. Bienvenue sur ma page, partagez et invitez les autres. Nous allons discuter juste pendant quelques minutes. Après, si les gens ont peut-être quelques préoccupations, quelques questions, mettez-les en commentaire. Je vais faire très très rapidement, parce que personnellement, ce ne sont pas des sujets qui m'intéressent beaucoup. Parce qu'on est dans la distraction. Nous sommes en train de préparer 2025 ou avant. Et c'est ce qui est plus important dans l'histoire d'un pays et non le football. Moi, je ne vais pas épiloguer pendant des heures et des heures, comme je vois les gens faire sur les réseaux sociaux. Après, c'est leur droit, c'est leur choix, ils font ce qu'ils veulent. J'ai même vu des gens s'improviser sur le terrain du droit, d'y parler des articles, des textes de loi et blabla. Ça m'a souvent fait rigoler, mais bon. Les gens sont souvent dans l'amateurisme, et comme le Cameroun est dans le pays de l'amateurisme et de l'improvisation, personne n'a son propre domaine. On est spécialiste en tout, on se prononce sur tout. On peut sur certaines questions se prononcer en abordant les points accessibles, si on peut dire ça comme ça, sans toutefois toucher les points les plus complexes, les points qui concernent l'analyse, par exemple sur le terrain du droit, qui demande une certaine compétence, qui demande un certain savoir dans le domaine pour se prononcer, parce qu'on peut être même du domaine du droit sans toutefois être spécialisé dans le droit du sport, parce qu'il y a le droit du sport, il y a le droit des mères, il y a le droit de ceci, il y a le droit, c'est tellement vaste. Mais c'est vrai qu'après, il y a certains qui ont un certain niveau, qui sont tout simplement capables, à partir des éléments de base, de donner quand même une analyse qui se rapproche, n'est-ce pas, du vrai. Mais c'est loin d'être souvent le vrai, parce que ça se rapproche, mais c'est pas, ça ne peut pas être une analyse, effectivement, qu'on puisse prendre au sérieux comme une analyse d'un expert dans le domaine. Il faut savoir respecter le domaine des gens. C'est souvent ce que je vois au Cameroun, on ne respecte rien. Tout le monde est spécialiste en tout et en rien en même temps. Donc, cela étant dit, je vais revenir sur le personnage Samuel Eto'o. Bienvenue à ceux qui se connectent à l'instant. Partagez et invitez les autres. Et juste envoyez le maximum de likes, maximum de cœur. Donc, il faut que les gens comprennent d'où vient le désamour pour Eto'o. Encore une fois, nous sommes dans un pays où les gens passent leur temps à mentir. Nous sommes dans un pays où les gens ne disent pas la vérité. Nous sommes dans un pays où les gens ont un problème avec la vérité. Et c'est ça le problème des Camerounais. On a un problème avec la vérité. Les gens ont grandi dans le mensonge, dans la manipulation, dans la ruse. Les gens ont été éduqués comme ça. Au bout d'un moment, ça devient normal. Envoyez des likes et les cœurs, s'il vous plaît, et partagez. À un moment, pour certains, ça devient normal. Mentir, manipuler, mentir, manipuler. Si on commence par le commencement, tous les Camerounais ont aimé et ont adoré Samuel Eto'o. Il n'y a personne qui va dire que au Cameroun, dans tous les quatre coins de notre pays, dans le triangle national, comme aimait le dire Madame Fonin, dans tous les quatre coins du triangle national, Samuel Eto'o fut adulé. Adulé. Moi, je vois des gens aujourd'hui se lever, dire que non, il y a des gens qui te détestent sans raison. Comme j'ai lu tout à l'heure, Bendeka.
dit que Eto'o doit accepter que s'il y a des gens qui l'aiment sans raison, il doit avoir aussi des gens qui le détestent sans raison. Non, on ne déteste pas Eto'o sans raison. Je vais aller pas à pas pour qu'on comprenne. Samuel Eto'o part de rien, il est aimé, adulé par un peuple. Je parle bien du peuple camerounais qui l'a porté, qui l'a soutenu et qui a été avec Eto'o dans toutes les étapes de sa carrière. Les Camerounais ont porté Eto'o, prêt à mourir pour cet homme. Eto'o va faire la grande carrière à l'équipe nationale du Cameroun. C'est le même Eto'o qui va être à l'origine de tous les grands désordres qu'il y a eu à l'équipe nationale. Après notamment 2003, ça c'était la grande période vraiment des Lions Indomptables où il joue la finale de la Coupe des Confédérations où Marc Vivien Faux et meurt. Partagez, invitez les autres. Où on a une très belle Coupe des Confédérations où Samuel Eto'o d'ailleurs fait quelque chose d'incroyable. Et même d'ailleurs, c'est ce but-là qui va lancer sa carrière. Pour ceux qui connaissent vraiment la carrière d'Eto'o, c'est ce but faramineux, c'est ce but-là exceptionnel qui sort même de nulle part, de l'irrationnel. Ce but, un but contre le Grand Brésil. Un but de Samuel Eto'o où il lobe le gardien Dida. En 2003, en Coupe des Confédérations, Samuel Eto'o décolle complètement. Il est déjà deux fois champion d'Afrique. Champion des Jeux Olympiques. Mais ça reste un Eto'o encore qui est en train de se chercher, qui est jeune et qui monte. Samuel Eto'o en Coupe des Confédérations va monter le football maniaque. Après ça, bon, on connaît ce qui va se passer en 2004 avec les difficultés à se qualifier et tout. 2005, le Cameroun, il va exploser avec le FC Barcelone. 2006 et tout. Après, on ne va même pas en Coupe du Monde. 2005, qualification, il y a le Cameroun, Côte d'Ivoire, ça chauffe entre Drogba et Eto'o, mais je me rappelle de cette époque. C'est fini tout ça. Aujourd'hui, il y a un grand joueur au Nigeria qu'on appelle Osimhen, ça n'intéresse plus personne. Il y a la Yaya Touré en Côte d'Ivoire, après ça n'intéressait plus personne. Il fut une période où il y avait Eto'o, Drogba et Michael Essien. Les trois étaient au Ballon d'Or à chaque fois, ça choquait. On faisait des jeux, on se bagarrait, mais ça bagarrait au quartier, Drogba, Eto'o, les camps partout. Le Eto'o là va devenir celui qui, à partir d'un certain moment, au sein de l'équipe nationale, va commencer à embêter tout le monde. C'est Eto'o qui va pousser le même Rigobertson à la retraite en l'humiliant. C'est Eto'o quand il va prendre le contrôle de l'équipe nationale en tant que capitaine. On ne va plus jamais rien gagner. Et ça va commencer la chute du Cameroun. Va commencer, de l'équipe nationale va commencer quand Eto'o va prendre le contrôle avec le brassard. Bonsoir Monsieur Achille Eke. Bonsoir Dani Kamga, Yolandi Tafo. C'est Eto'o qui va commencer à partir de cette période-là le désordre à l'équipe nationale. Capitaine des Lions Indomptables, le Cameroun n'a rien remporté. Avec Eto'o capitaine, grand joueur à Barcelone, Chelsea, tout ce que vous voulez, Inter de Milan. Le Cameroun n'a rien remporté. 2010, il va commencer à faire pression. C'est le Eto'o qui va refuser en Coupe du Monde de 2014 au Brésil de porter le fanion, le brassard de fanion de l'équipe nationale. C'est Eto'o qui va foutre à la porte comme un malpropre Rigobertson parce qu'il veut le brassard en Coupe du Monde 2010. On va tout faire pour mettre son à côté. Il va organiser un jubilé. Vite fait comme ça, Rigobertson sera aux oubliettes. Après, il y a deux AVC qui s'en suivent. Il est en désaccord avec lui. Jusqu'au jour où il va décider de soumettre Rigobertson. Rigobertson va venir lui présenter les excuses. Il dit, ok, je te réintègre. Il demande pardon à Samuel Eto'o. Le même Eto'o qui a humilié Rigobertson. C'est là où vous comprenez qu'on est dans un pays où les gens ont grandi avec une certaine mentalité. Moi qui vous parle là, on ne m'humilie pas, on ne me rabaisse pas. Qui que tu sois, je demande à ce qu'on me respecte. Si tu ne peux pas me respecter, le reste s'en compte pas. Qui que tu sois, tu me respectes. Vous avez des gens comme les Rigobertson qui ne savent pas se faire respecter. Après, il ne faut pas croire, les footballeurs, ça ne vole pas haut, les footballeurs. La plupart du temps, c'est des cancres. Il ne faut pas croire, les footballeurs, la plupart du temps, c'est des idiots, c'est des cancres.
Ça a un sens au Cameroun parce que c'est des pays pauvres, très endettés, c'est des pays où il n'y a pas de moralité. La moralité a foutu le camp. Tout le monde peut se lever. On devient footballeur du jour au lendemain. Il y a même des gens qui appellent à ce que Eto'o devienne président du Cameroun. Le football est devenu ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que n'importe quel troubadour peut sortir de n'importe où. Parce qu'il est footballeur, on dit non, il faut... Mais les affaires d'un pays, la gestion des affaires d'une nation, c'est largement au-delà du simple football. C'est largement au-dessus de quelqu'un qui tape derrière un ballon, il marque des buts. Même dans la folie en France, les gens ne peuvent pas imaginer. Le footballeur français le plus aimé, il n'y aura pas d'eux dans ce pays, c'est Zinedine Zidane. Vous imaginez un jour les Français, parce que Zidane a donné la Coupe du Monde à la France, dit que Zidane sera président de la France. Il n'y a que dans des états croupillons comme le Libéria, où on peut prendre un George Weah, on met président. Ça n'arrivera pas au Cameroun. Le Cameroun est bien plus sérieux que ça. Le Cameroun est un pays fait de cerveau. Salut Youbas Mamouda, Charles Epor, salut Gilbert Funtim, salut. Mais attention, vous blaguez. C'est parce que le Cameroun, je t'étais en train de dire tout à l'heure, il n'y a plus de valeur, il n'y a pas de morale. Je viens de voir une vidéo d'un président de football club au Cameroun où il est en train de sortir, il y a la vidéo qui circule là, où il est en train de sortir le quoi là, le lubrifiant et tout, il donne aux footballeurs, il se courbe, on traverse sur lui. Président de club, les jeunes footballeurs qui rêvent de faire carrière. Mais c'est parce qu'on a mis dans la tête de ces jeunes-là que pour réussir, il faut passer par ce genre de choses. Il va aller se courber pour faire tout et n'importe quoi à son président. Parce qu'on promet aux joueurs que tu vas signer en Europe. Les gens sont prêts à tout au Cameroun. C'est parce que la morale a foutu le camp. Ce n'est plus un pays, c'est un soupçon de pays. Regardez ce qu'ils ont fait de notre pays, le Cameroun. Salut Fomo, Bobby. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je me souviens, il y a peut-être une quinzaine d'années, il y a Marcelin Otou, le musicien Marcelin Otou, qui était passé dans une émission, et il dit, il était lui choqué, sidéré, de savoir qu'il y avait des jeunes Camerounais qui venaient le voir, parce que ces jeunes-là voulaient faire carrière dans la musique, et qui lui demandaient, mais papa, dis-nous là où on trempe les mains, parce que là où je suis, là, je suis prêt à tout pour le succès. À Marcelin Otou de leur demander à ces jeunes Camerounais, mais qui vous a dit que pour réussir dans la musique, il faut tremper les mains? Qui vous a dit que pour réussir dans la vie, il faut faire des bêtises? Voilà le Cameroun. Voilà ce qu'ils ont fait de mon pays, le Cameroun. Donc, il faut sortir de vos histoires de blagues de Samuel Eto'o. C'est une perte de temps. Nous sommes concentrés dans le 2025 ou avant. Comment faire pour renverser Paul Biya? Et nous invitons tous les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales, à voter, à surveiller leur vote. Donc on va aller pas à pas pour le cas Eto'o. Je suis en train de parler de son début de carrière. Quand Eto'o devient capitaine, après 2012, tout ça, 2013, on est en pleine une période de vide complètement. Eto'o, quand il s'en va, comme par hasard, Coupe du Monde 2014 au Brésil, Eto'o fait toutes ces conneries. Allez lire l'ouvrage Programmé pour échouer, tous ces ouvrages-là que Jean-Bruno Tagnier a sorti sur Samuel Eto'o. C'est encore là, ce n'est pas des inventions. C'est lui qui critiquait IA, il critiquait tout le monde. Il y a ces vidéos où il dit que non, ce que je suis en train de voir faire, si je suis à sa place, je démissionne. Eto'o est en train de subir, même pas subir. Eto'o vit cette chose-là 10 fois plus, puissance 10. Aujourd'hui, Eto'o n'a toujours pas démissionné. Il donnait des leçons à tout le monde. Samuel Eto'o, maintenant, va quitter l'équipe nationale. Comme par hasard, l'équipe nationale va commencer à reprendre du poids de la bête. Salut, brave combattant, Agnès Lenji. Comme par hasard, les Lions, ceux qui on ne comptait pas, avec Benjamin Moukandjo, les jeunes là, les petits jeunes là vont se lever avec la Baka Vincent. Ils vont former un bon bloc, un bon groupe qui vit bien, sans la pression de Eto'o qui menaçait tout le monde et qui venait aux entraînements avec les armes. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Alexandre Song qui le dit. Eto'o venait dans les vestiaires, il a les armes. Il est protégé par des capitaines.
de l'armée de notre pays, avec l'argent du contribuable. On va protéger Eto'o en tant que footballeur. Il vient avec son jet, il ne se mélange pas aux autres joueurs. S'il ne vient pas à table, personne ne mange. Il a torturé les gens au sein de l'équipe nationale. Couché avec les femmes de ses amis. Et jusque-là encore, les gens observaient. Le véritable problème, c'est à partir de 2018. Les Camerounais ont tellement souffert de ce régime de Paul Biya depuis 1982. Les Camerounais ont tellement souffert que si tu veux être tranquille, être en adéquation, être en odeur de sainteté avec le peuple camerounais, la seule chose à faire, c'est de ne pas soutenir Paul Biya. Et malgré tout ce que Eto'o avait fait, dites-vous que les Camerounais pouvaient encore pardonner. L'impardonnable, c'est en 2018. Il faut dire ça aux Camerounais, écrivez ça. La chute d'Eto'o commence quand il va en 2018 appeler massivement les Camerounais à voter massivement pour son champion Paul Biya parce que Paul Biya a fait pour lui. Là, il n'est plus le Eto'o de tout le monde. Salut Motongando. Il n'est plus le Eto'o du peuple camerounais. Il n'est plus ce Eto'o qui fait partie du peuple. Il est maintenant le Eto'o des riches. Il est le Eto'o de l'oppresseur. Il est le Eto'o du clan de Biya qui opprime son peuple depuis 1982. Et vous allez encore voir, je vais prendre un exemple très simple, des personnes qui sont sans dignité, qui ont eu une belle carrière, qui auraient pu épargner de l'argent, faire leur business et tout, et avoir leur vie tranquille, qui choisissent de se faire humilier encore par le même Samuel Eto'o. Souvenez-vous, en 2018, ça a fait des remous, ça a fait des bruits partout. Quand Samuel Eto'o a dit « Votez pour mon papa Paul Biya parce qu'il a beaucoup fait pour moi. » Patrick Mboma avait fait un communiqué à l'époque en disant ceci. Entre, il a repris en quelque sorte, n'est-ce pas, Thomas Sankara en disant que entre l'eau potable pour tout le monde et le champagne pour quelques-uns, Samuel Eto'o a fait, les autres ont fait leur choix en quelque sorte. Il s'offusquait, il était contre Samuel Eto'o. Après, il était contre la sortie de Samuel Eto'o. Ça a tellement fait mal au peuple camerounais de voir que Eto'o, qui était le fils du pays, se lève et pas soutenir publiquement Paul Biya en 2018. Il dit cette vérité aux Camerounais. Les gens ne détestent pas Eto'o pour autre chose. On sait tous les gaffes qu'il a eu à faire. L'affaire Nathalie Kouaa, exposer la nudité, on n'en parle pas. Il a tellement fait de bêtises dans ce pays, les gens ont pardonné. Mais 2018, voilà là où la chute d'Eto'o commence. Il va se lever et dire « Paul Biya, c'est mon champion, votez massivement pour lui. » Il faut rappeler ça à Bendeka, qui dit que les gens détestent Eto'o pour rien. C'est faux. Rappelez ceci à Bendeka. On ne déteste pas Eto'o en tant qu'humain. On ne déteste pas Eto'o le footballeur. On déteste ce Eto'o-là qui est un jeune Camerounais, qui est au service de la dictature, au service d'un clan qui opprime le peuple camerounais. Voilà la vérité. Mais comme on a grandi dans un pays où les adultes mentent, des gens qui ont 50, 60 ans mentent comme des gamins. Ils font des bêtises sans se poser des questions. Et à la maison, leurs enfants les regardent comment? Quand ils rentrent à la maison, ils se trouvent comment devant ses enfants? Quand Patrick Mboma, après avoir fait ce genre de critique contre Samuel Eto'o, Patrick Mboma va revenir encore travailler avec le même Samuel Eto'o, se rapprocher de lui, essayer de faire des courbettes pour être auprès de Samuel Eto'o quand Eto'o va gagner la FECA Foot. Les élections pour être président de la FECA Foot. Le même Mboma qui critiquait Eto'o hier redevient son ami parce que lui, il veut se positionner. C'est quoi ça? Ça ressemble à quoi? Quel est ce pays où les gens n'ont pas de dignité? Rigobert Song, c'était pareil, l'humiliation. Tous ces gars qui ont décidé de ne pas se soumettre devant Samuel Eto'o, Eto'o est là pour régler les comptes. C'est le cas de Choupo-Moting. Il préfère sacrifier toute une équipe nationale pour son orgueil personnel, pour régler le compte de Choupo-Moting. On avait besoin de lui à la Coupe d'Afrique. Eto'o, le dieu, dit non, il n'y va pas parce que c'est moi qui décide. Même chose avec Gadeu, c'est moi qui décide, il n'y va pas. Il a pensé à lui, il n'a pas pensé que le Cameroun est plus important que lui.
Là, on a finalement un Camerounais Eto qui est au-dessus du peuple, qui est au-dessus du Cameroun, qui est notre bien commun. C'est pour ça que je ne suis pas dans vos bêtises, là, les faux amis, pour toutes vos conneries, là, je ne suis pas dedans. Dès que je remarque des trucs qui commencent à clocher, là, je dis, mon ami, on s'arrête là. Je ne suis pas dans les bêtises. Vis pas dans vos conneries. Les choses des Camerounais, ça me dépasse. Souvent, je vais sur Facebook, je regarde comme ça, je dis, waouh, quel peuple. Quel peuple. Aujourd'hui, on peut présenter Eto comme la victime. Eto est détesté par le MRC. Eto est détesté par les partisans de Kamto. Et surtout, Eto est détesté par les Bamileke. Tiens. On voit des gens aujourd'hui faire de l'Afrika Foot une affaire de tribu. On a connu une époque dans les années 90 où le Cameroun allait en Coupe du Monde. Sur 23 joueurs qu'on sélectionnait, à l'époque c'était 22 joueurs, il n'y avait même pas un seul Bamileke. Les Lions Indomptables gagnaient des Coupes d'Afrique, gagnaient, allaient en Coupe du Monde. Avec les 11 entrants, il y avait 9 Bassa. Sur 11, il y avait 9 Bassa, 2 boulots. Ça n'avait jamais dérangé quelqu'un. Ni les Bamileke ne s'étaient plaints, ni nos frères du Nord ne s'étaient plaints. Personne, c'était normal. On n'a jamais fait de la Afrika Foot une affaire de tribu. Pourtant, les gens sont passés là-bas, les IA sont passés. Ça n'a jamais été une affaire de Afrika Foot des nordistes. Bonbon Joya est passé, ça n'a jamais été une affaire de Afrika Foot des Bamoun. Tout le monde est passé par là. Et même avant Eto, les Bamileke sont passés là-bas. Ça n'a jamais été une affaire de Afrika Foot des Bamileke. Pour la première fois, on a Samuel Eto. Le Samuel Eto qui était footballeur est devenu aujourd'hui celui qui gère un bien public. La Afrika Foot, c'est l'affaire du peuple camerounais. Donc, il y a mon argent dedans. C'est l'argent du contribuable camerounais. C'est pas possible. Dès qu'on n'est pas d'accord avec Samuel Eto'o, c'est que, ah non, on n'aime pas les Bassa. On l'attaque parce qu'il est Bassa. Ceux qui attaquent Eto'o sont des Bamileke. Voilà comment on part d'une simple affaire de football pour entrer encore dans une affaire de tribalisme. Le Eto qui a été nourri, élevé, formé, financé et tout par la famille Kadji qui est une famille Bamileke. Les Bonaventure, John Kep, celui qu'on appelle son entraîneur, là, comment on appelle encore son nom, entraîneur là, qui était Bamileke. Ce n'est pas un John Kep, c'est un autre là, j'ai oublié son nom. Tout l'entourage de Samuel Eto. Là, ce n'était pas les. Là, les Bamileke en ce moment-là, non, on ne détestait pas Eto. Eto aujourd'hui, quand on l'attaque, c'est que non, on attaque un Bassa. Les Bamileke ne l'aiment pas. Ils font comme s'ils aimaient trop les villages Bassa ou ils aimaient trop le fait que Eto. Je suis dans un groupe là, c'est un groupe Bassa là, mais c'est incroyable ce que j'ai vu dedans. Ils créent un groupe Bassa. Où les gens sont dedans, par exemple, moi qui suis Bamileke, et il faut bien préciser, je suis notable Bamileke. Je ne suis pas comme les petits Moussoto, les petits Atotonou, qu'on n'a même pas encore circoncis là, qui parlent avec moi, ils croient que je suis leur camarade. Je suis Mumbeso Mbumbon, vous êtes qui devant moi? Les petits activistes là, j'ai donné l'avertissement à un autre l'autre jour là. Les petits gens qui ont des connexions de 100 francs, ils se lèvent, ils viennent critiquer une sommité comme moi. Hein? C'est pas possible. Je sais qu'il y a les haineux là à la fenêtre. Ils me regardent. Salut ma chérie Judy Carole. Il y a les haineux là à la fenêtre qui me regardent. Après, ils vont se dire, mais le petit là, il est prétentieux. Il se prend pour qui? Hein? Il dit qu'il est notable. Bah, 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 bah. Ils vont bavader là. Depuis que je parle, vous avez vu qui s'est levé pour dire que je ne le suis pas. Alors. Donc. Aujourd'hui, c'est devenu une affaire de Afrika Foot des Bassa.
Il n'y a pas de route dans leur village. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'école. Même les Bamileke qui se plaignent là, on a quand même des ministres. Hein. On a quand même quelques directeurs. Ceux qui ont tout perdu dans cette histoire, qui n'ont rien gagné, c'est le peuple Sawa. Et quand je dis Sawa ici, je mélange tout ça. Ça peut être les gens de chez moi dans le Mungo. Les Mbo, ça peut être les Abor, les Douala, les Bassa. C'est tout un mélange, le peuple Sawa en général. C'est ceux qui n'ont rien gagné dans cette histoire. C'est-à-dire que les Bamileke peuvent même pleurer. Ils ont quand même les gens là-bas en haut. Les Bamileke peuvent même se plaindre comme ça. Il y a des routes, il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a tout ça à l'ouest. On n'en vit personne à ce niveau. Les villages les plus enclavés du Cameroun, c'est dans la zone Sawa, dans la zone Fambéti-Boulou. Eux encore, on peut les comprendre. Ils sont au pouvoir. Ils défendent le pouvoir du frère du village. Je me demande toujours jusqu'aujourd'hui, l'affaire du Sawa dans ça, c'est quoi? C'est quelle haine ça, gratuite, contre le peuple Bamileke? Haine gratuite, inexplicable. Les Sawa qui étaient réputés les alliés d'hier sont devenus aujourd'hui les alliés de Fambéti-Boulou, pas par conviction, mais par haine du Bamileke. J'ai partagé une conversation sur mon mur d'une brave combattante militante du MRC, une AP, Jeanne Chantal Bellé et son bel, qui est Douala, mais bon, Douala, bon, les abords, en réalité c'est les abords, c'est les gens de chez moi. Chez nous on dit que même quand tu vois une fille Douala qui est belle, c'est qu'elle a une parenté abord. Nous on est des gens du Mungo, on est né, on a grandi là-bas. Voilà, je suis notable, même là-bas. Là-bas, je suis notable. Personne ne peut discuter ça avec moi. Allez en Djombé demander. Elle va à une formation. Elle rencontre un professeur d'université, docteur, ingénieur, mathématicien, tout ça. L'école est dans sa tête comme ça beaucoup. Un Douala qui voit sa sœur, ah mais Jean-Chantal Bellé, ah mais je suis content de te voir, content de faire ta connaissance. Ils font connaissance, ils parlent en Douala, ils parlent. Après, la question se pose, mais comment faire pour entrer, développer le pays? Il dit que le pays là, tout un professeur, on ne sait même pas comment on va s'y prendre. Si on rentre même pour le développer, on va commencer par où? Et il va sortir cette phrase. On va rentrer encore dans quel Cameroun? Les Bamileke ont détruit le pays. Même l'eau qu'on boit, on n'est pas sûr que c'est de l'eau potable qu'on met dans les bouteilles parce que les Bamileke ont tout détruit. Voilà un Douala. Sur son territoire Douala, le port de Douala, ce n'est pas un Douala. Ils disent que c'est leur port. Toutes les sociétés d'État qui sont dans la zone Sawa, les directeurs sont Fambéti-Boulou, viennent de Yaoundé par décret. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont rien. Leur problème, c'est le Bamileke. Et toi, en tant que Bamileke, tu n'as pas le droit de dire que ce n'est pas normal. Si tu dénonces ça, attention, c'est toi qu'on fait passer pour le tribaliste. Voilà comment ces gens fonctionnent. D'aujourd'hui, les gens commencent à dire que non, c'est une affaire des Bamileke qui n'aiment pas Eto. Qu'est-ce que Bamileke vient faire dans toute cette histoire? Expliquez-moi. Je vais être très clair ici. Et c'est une question de logique. C'est même tellement évident. Je ne comprends pas pourquoi ça étonne les gens. Eto est notre adversaire sur le plan politique. Je suis du MRC. Je me bats pour aller conquérir le pouvoir. Samuel Eto se tient du côté du RDPC pour dire voter le RDPC qui va aller aux élections me battre moi du MRC. Mais logiquement, tous ceux qui sont du MRC se sentent adversaires de Samuel Eto'o sur le plan politique. C'est pas logique ça? Mais de là à dire que les Bamileke sont contre Eto'o, je ne vois pas ce que ça vient chercher dans ça. Mais toutes les occasions sont bonnes pour jeter les Bamileke à la vindique populaire. Ça, c'est un tout autre sujet. J'y reviendrai. De toute façon, j'en parle régulièrement. Mais je comprends que beaucoup n'aient pas l'étoffe pour comprendre c'est quoi la notion d'identité. C'est quoi même le repli identitaire? En fait, avant de parler de repli identitaire, c'est d'abord quoi l'identité? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de notre pays?
Est-ce que cette république protège les populations? Ceux qui parlent de Dubamileke de sortie, un jour peut-être, je vais prendre le temps, je vais peut-être préparer un live, je vais répondre à mon frère, le général Balsero, papa, qui souvent sur ce sujet-là, souvent se trompe. Sur beaucoup de choses, il se trompe. Mais je comprends qu'il le fait avec amour, qu'il le fait avec passion, il le fait dans le but, voilà, de ramener les gens. Mais c'est le devoir de l'État, c'est au gouvernement camerounais de ramener les gens, de faire en sorte que les Camerounais se retrouvent autour d'un seul idéal. C'est le devoir du politique. Cela doit émaner d'une réelle volonté politique. Ce n'est pas seulement des blabla et des paroles. On accuse les gens d'être en France et un peu partout en Europe d'organiser les galas et des soirées de leur village. Mais c'est leur droit. S'ils cotisent leur argent, on veut faire la soirée des Bansois, on veut faire la soirée des Bamedjous, on veut faire la soirée des... Les gens ont le droit de se rencontrer en tant que communauté. Encore que quand on est éloigné du pays natal, on a besoin de cette chaleur familiale, de cette chaleur communautaire, on a besoin de retrouver ces gens. C'est normal. Si on est au Cameroun un peu, les gens peut-être s'en foutent. Parce que le matin, on se lève, on est entre nous. Mais quand les gens sont à l'étranger, il n'y a plus ce mal-là du pays. Il y a cette envie-là de se retrouver avec les gens qui sont peut-être de la même aire géographique. C'est leur droit. On ne doit pas jeter l'opprobre sur ceux qui essayent de s'organiser dans ce sens. Moi-même, je suis contre ça. Les histoires de Bami Pawa où chacun crée sa page, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans les histoires des Bamedjous où aujourd'hui, on voit les Bakan, on voit les Baboum, on commence à se diviser, blablabla. J'en ai parlé dans une vidéo qui dure peut-être 15 minutes. Salut Eugène Ngondi. Yolande Samira, brave combattante, salut. J'en ai parlé. Mais, on va prendre un exemple simple. La CIATV est là. L'ambassade du Cameroun à Paris est ici. Combien de fois dans l'année, citez-moi une seule fois dans l'année où l'ambassade du Cameroun à Paris a sorti l'argent dans les caisses de l'État et a organisé une fête, un événement, quelque chose qui rassemble tous les Camerounais, sans distinction de religion, de langue, d'ethnie, de tout ça. Ils font quoi avec notre argent? Ils ont un budget là-bas. Ils font quoi de ça? Les événements qui concernent même la communauté camerounaise, à quel moment la CIATV, parce qu'ils ont une antenne ici à Paris, à quel moment la CIATV est venue couvrir l'événement en disant que c'est un événement tout simplement des ressortissants camerounais? Tout ce qu'ils savent faire, c'est discriminer les Camerounais de la diaspora. Ils ne doivent pas voter parce qu'ils sont sans papier et tout ça. Voilà par exemple le livre que j'ai sorti. Je l'ai derrière dans le bureau. Partout où on me sollicite pour passer des interviews, je vais à France 24, à TV5 Monde, je vais partout et tout, on me donne la parole. Je suis sollicité pour apporter, donner mon avis et même d'ailleurs mon expertise sur la question parce que je travaille avec des organisations, les ONG internationales qui se défendent des droits des migrants. Je donne mon avis et quand je donne un avis, c'est un avis d'expert, c'est un avis de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Il n'y a pas de tâtonnement dessus. À quel moment vous avez vu la CIATV venir me donner la parole? De quoi vous parlez? C'est un sujet très vaste. On ne peut pas se lever un matin, on dit « Amour entre les Camerounais, arrêtez de parler de tribus, arrêtez de parler de tribus et parlons du Cameroun. » Non, on se sent tous Camerounais. Le 237, c'est là. 237 est là. Mais c'est un sujet très vaste et c'est un sujet même très complexe et certains ne sont même pas au niveau de comprendre les véritables enjeux qu'il y a dans la tribalité ou dans ce que vous allez appeler le repli identitaire ou le tribalisme et tout. C'est des notions très complexes. On ne les agite pas comme ça. Il faut avoir des armes pour aborder ces questions-là. Mais dites-moi, si je suis dans une république qu'on appelle le Cameroun, en tant que Bamileke, je ne suis pas protégé sur l'ensemble du territoire. Mais à un moment, si l'État du Cameroun ne me protège pas, donnez-moi la raison de croire en cet État. Si l'État du Cameroun n'est pas en mesure de me protéger sur l'ensemble du territoire, en tant que partie intégrante de ce pays, en tant que citoyen camerounais tout simplement, excusez-moi, à partir d'un moment, j'ai ce réflexe-là de repli identitaire pour me faire protéger par ma communauté. Si on vient prendre le même peuple qui s'appelle Bamileke, le même État, poussé ici par les puissances impérialistes occidentales,
pousse, n'est-ce pas, l'armée du pays. En 1960, et ce n'est même pas qu'à partir de 1960, je vais juste brosser comme ça vite fait, va massacrer les Bamileke au quartier Congo à Douala. Dans les années qui vont suivre, les mêmes Bamileke seront encore massacrés à Sambelima. Les mêmes vont être massacrés à Douala en 92. Par la communauté Sawa qui va piller, qui va tuer, qui va violer nos mamans, tuer nos enfants, piller les boutiques, les biens des Bamileke, casser et dire rentrez chez vous. L'État n'est pas là pour protéger ces Camerounais. À Sambelima, ils vont massacrer. À Akonolinga, à cause d'un match de football entre Foudre d'Akonolinga et Aigle de Champ, les Bamileke seront arrêtés, massacrés dans cette zone-là. Après cela, les Bamileke seront massacrés dans le Mungo. Après avoir fui le maquis à l'ouest, ils se réfugient dans le Mungo. En 63, ils sont massacrés, encore par l'État du Cameroun. Les mêmes Bamileke s'enfuient. Ils vont au sud-ouest, à Kumba, à Bakossi. On vient encore les massacrer. Et c'est qui les massacre? C'est l'État du Cameroun. Mais dites-moi à quel moment vous pensez que ceux-là vont se sentir protégé par l'État du Cameroun. Récemment, en 2019, on a encore vu en plein cœur de Mbalmayo, en plein cœur de Sambelima, dans la ville natale de Paul Biya, la police est là, l'armée est là, la gendarmerie est là, on vient en plein centre-ville, on casse les biens des Bamileke, on casse leur boutique, on viole leur maman, on casse les trucs, on prend les enfants, on... Devant nous, c'est devant nous là, récemment. C'est récent ce que je suis en train de dire, je n'invente pas. Ce sont des faits historiques. Et quand on parle de la notion de tribalité, de tribalisme, on parle de repli d'identité et tous ces trucs-là. Attention, on revient d'abord dans l'histoire. Si l'État n'est pas là pour protéger, et les gens finissent par se retrouver dans leur tribu, et se serrent les coudes pour se protéger en tant que communauté, c'est un réflexe de survie. Ces questions-là sont des questions très complexes. Je vois des gens s'amuser sur Facebook. Ils sont dans le tâtonnement et d'autres sont en pleine perdition. Moi, je les laisse dans leur connerie. Racontez ce que vous avez à raconter. Le tribunal de l'histoire est là. Et ceux qui en savent comprennent les véritables enjeux qu'il y a derrière. Un pays où, dans le programme éducatif, on a mis le Bamileke Ouamakoul le feignant, le Bamileke clochard, le Bamileke villageois, le Bamileke... Dans le programme scolaire, le programme éducatif de notre pays, le Cameroun. Et vous voulez empêcher les gens à un certain moment de comprendre que dans ce pays-là, on ne veut pas d'eux. C'est-à-dire que vous donnez des coups aux gens, vous voulez même les empêcher de pleurer. C'est récemment encore au petit pays qui m'a, jusqu'à maintenant, ça m'amuse. Quelqu'un est droit là, il a trois singes chez lui, il n'a pas appelé Essomé, l'un de ses singes Essomé, il n'a pas appelé l'autre, je ne sais pas, Moukoko ou bien je ne sais pas quoi. Il a trois singes, il y a un qui s'appelle Fongang, il y a l'autre qui s'appelle Sobze, et il y a l'autre qui s'appelle Yudong. Jusqu'à présent, quand je regarde cette vidéo, ça me fait mourir, ça me fait... Oh là, mon Dieu. On est au Cameroun, là. On est en plein Cameroun. C'est ce que l'autre a passé toute sa carrière à faire, à imiter le Bamileke villageois, le Bamileke idiot qui ne comprend rien, Jean-Michel Cancan. On en rigole jusqu'aujourd'hui. Les Guillaume Oyonombia, c'est tellement vaste ce sujet. La bamiphobie organisée au sommet de l'État. Et ça se vit dans toutes les strates, toutes les couches, jusqu'à dans nos marchés. Aujourd'hui, on est contre Samuel Eto'o. Il y a des gens qui viennent dire que non, c'est les Bamileke qui sont contre Eto'o. Autrement dit, les Bamileke sont contre les Bassa. Comprenez par là, la Fekafout est devenue aujourd'hui un instrument au service du peuple Bassa. Oh, c'est le bien commun. On ne s'amuse pas avec tous ces sujets-là. Je vois des gens aborder ça avec une certaine légèreté, arrêter de parler de tribus. Citoyens camerounais, qui a dit qu'on n'était pas camerounais? On est tous camerounais. On est tous camerounais. Qui va m'enlever moi le 237 dans moi? Qui va m'enlever ça? Personne. Je me sens africain, je me sens camerounais. Mais être africain et être camerounais ne m'empêche pas que je me reconnaisse moi en tant que Bamileke.
Qui va m'empêcher de l'être? Et bien sûr quoi, je ne suis pas n'importe quel Bamileke comme les Bamileke en tomate sans caleçon que je vois partout comme les Idriss Carlos Kameni. Je suis notable, mon besson bon, et je ne discute ça avec personne. Les petits Bamileke sans caleçon qui n'ont pas de colonne vertébrale, les voilà qui souillent. Le grand Idriss Carlos Kameni, 20 ans de carrière, tu as amassé l'argent, tu as eu la gloire, tu as tout eu. Tu as besoin d'aller t'humilier derrière Samuel Eto'o pour avoir un poste d'entraîneur des gardiens? Ça t'apporte quoi? Ça t'apporte quoi? C'est encore ça le problème du Bamileke suiveur et non leader. C'est un peuple qui est malade. Je vous dis toujours que le Bamileke a beaucoup de problèmes. Ce peuple-là a beaucoup de problèmes. Les gens ne me comprennent pas. Vous imaginez si vous inversez les rôles, avoir peut-être un Seydou à Lyon, ou je ne sais pas, prenons quelqu'un d'autre, les Djemba Eric, qui vont se lever, venir courir derrière et tout pour être entraîneur de je sais pas, des gardiens, je ne sais pas quoi. Idriss Carlos Kameni, qu'est-ce que tu fais dans ces conneries-là? Où on te balance aujourd'hui, tantôt c'est toi, tantôt c'est Alium, tantôt c'est quoi cette humiliation? Tu es petit pour être candidat à la présence de la FECAFOOT. Pourquoi le Bamileke pense que les autres doivent toujours faire, lui doit se mettre derrière? De même, Jérémy Nditap, c'est pareil. Pourquoi le Bamileke pense qu'il doit être derrière et les autres devant? Pourquoi cet instinct-là de leader, le Bamileke, ne l'a pas? Il faut le travailler. Vous n'êtes pas fait pour être derrière, pour suivre là où il y a la caisse. Être trésorier, vous pouvez tuer quelqu'un pour être trésorier, le Bamileke. Ouh, le côté-là, le Bamileke va tuer quelqu'un. S'il entre dans une organisation, il n'est pas là où il y a la caisse. Mais en ce qui concerne le leadership, il n'est pas dedans. Qu'est-ce que les Eto'o, les Kameni, les Ditak, tout ça, ont à aller faire la queue à la FECAFOOT? C'est quoi ces conneries-là? C'est quoi ces gens sans dignité? Partagez le live, s'il vous plaît. Donc, je vais conclure ici parce que j'ai déjà parlé de Bendeka, de la position de Bendeka. J'ai précisé ici. Si on va maintenant faire... Donc, je disais clairement que les gens aujourd'hui sont contre Eto'o parce que les gens ont beaucoup aimé Eto'o. C'est Eto'o à aller embrasser le camp Paul Biya. C'est comme les Camerounais par millions se lever à 3h du matin pour suivre Francis Ngannou. Francis Ngannou allait embrasser le camp de Paul Biya. Il est devenu l'ennemi du peuple. C'est comme ça que ça fonctionne, qui que tu sois au Cameroun. Tu es aimé, tu peux embrasser ces gens-là. Les gens ne seront plus avec toi. C'est aussi simple que cela. Voilà toute la vérité. Voilà toute la vérité. Eto'o est passé de héros à zéro. Eto'o a perdu des plumes. Et il ne renaîtra pas de sa cendre. Il ne renaîtra pas de ses cendres. Eto'o est passé de héros à zéro avec toute cette histoire de FECAFOOT. Il vient, il prend de 400, il va mettre à 7 ans. La FIFA annule. C'est le même qui va venir, il va créer un groupe de bandits. Il va mettre à la FECAFOOT. Ernest Obama qui a traité nos frères anglophones de rats et a envoyé l'armée pour dératiser, qui militait pour que l'armée camerounaise aille en quelques jours dératiser les anglophones. Il a pris des personnages lugubres comme ça, des créations lucifériennes comme ça, il a mis derrière lui pour battre campagne. Au lieu de mettre autour de lui des professionnels, il a pris des amateurs parce que Eto'o a un problème. Eto'o veut tout contrôler. Eto'o veut donner des ordres. Et donc quand tu es à côté d'Eto'o, tu lui donnes des bons conseils, il n'écoute pas. Eto'o veut des aplaventrices autour de lui et donc il veut des médiocres autour de lui. C'est normal qu'il échoue depuis plus de 2 ans à la FECAFOOT, c'est problème sur problème. Qui a vu jusqu'aujourd'hui le contrat de World All One Sport, une affaire lugubre qui est sortie de Jupiter, qui nous a ramené pour dire que All One Sport, c'est lui qui a créé le problème en faisant partie Conseil Sao. C'est lui qui a créé son histoire avec Coq Sportif et en faisant partie Coq Sportif et tout. Et là, il est venu avec son All One Sport. On lui a donné toutes les cartes à main. On a dit, Eto'o, fais ce qu'il y a à faire. Coupe du Monde, on est rentré au premier tour. Coupe d'Afrique, on se fait éliminer lamentablement par le Nigeria qui nous humilie jusqu'à la dernière minute avec une équipe qui ne répond pas parce que Eto'o a fait son choix d'écarter les joueurs importants pour régler des comptes. Là, on dit Eto'o trop, c'est trop. On ne peut pas maintenir Rigobertson,
Maintenant, on veut chercher un nouvel entraîneur et tout dit, c'est lui qui doit prendre le contrôle. Et donc, l'employeur qui est le ministère des Sports, puisque c'est le ministère des Sports qui paye tous ces gens-là, malgré tout le bavardage qu'ils font, tout ce qu'ils peuvent, l'employeur qui paye les salaires de tous ces gens-là, c'est le ministère des Sports, c'est pas la FECAFOOT. Faites votre bras de fer et tout. Que Eto'o, même à la fin de cette histoire, sorte vainqueur, il a perdu déjà des plumes. Il a perdu le respect des millions de Camerounais. Des millions de Camerounais. Dans un pays sérieux, si le gouvernement qui protège ces Eto'o et tous ces gens-là partent, la parole d'Eto'o ne vaudra rien dans ce pays. Peut-être même il y a des gens qui vont gifler ce connard-là quelque part en route. Regardez-moi un jeune avec tout le talent et toute la force et tout, l'énergie. Parce qu'il a réussi, il va aller demander aux Camerounais de voter un monsieur qui a 86 ans. Et récemment encore, Eto'o va s'humilier. Il n'y a pas la route qui va en Gambette. L'État du Cameroun va mettre le corps de son père, paix à son âme. Un an à la mort. Le temps de construire une route, de créer une route comme ça à la va-vite qui arrive en Gambette. Le temps de construire une maison dans son village pour enterrer son papa. Pour qu'à la fin, il vienne prendre le micro pour dire merci à papa Paul Biya. Ça prouve qu'il pense à ma famille. Oh, ancien milliardaire Eto'o. Regardez comment les gens s'humilient. C'est des gens petits. Les Rigobert sont petits. Les Bernard Choutan, petits. Quand je vois tous ces gens, les Patrice Mboma, petits. C'est des petites gens. Ce sont des petites personnes. Même moi, avec mes revenus cumulés en France ici, autour de 3 500 euros tous les mois, je ne peux pas me plier devant quelqu'un. Je ne gagne pas le milliard. Je n'ai pas les 800 000 euros, les 1 million d'euros de salaire par mois comme les Mbappé, les Eto'o ont eu tout ça. Même si c'est 1 000 francs CFA que j'ai tous les mois, je suis quelqu'un de digne. Et il y a des conneries que tu ne fais pas à côté de moi. Il ne faut pas croire que tous les Camerounais sont dans vos bêtises. Apprenez à être des hommes dignes. Des hommes dignes. C'est quoi ça? C'est ce spectacle. Des gens malheureux. Des mendiants. Tout ce qu'on voit là, c'est de la mendicité. Des gens autour des Eto'o en train de commander. C'est quoi ça? Oh, c'est pas possible. Ça fait très mal ce genre de choses. Vous imaginez ce qui s'est passé. Regardez comment les gens se comparent, comment ça se passe ailleurs dans d'autres pays. Partagez s'il vous plaît, envoyez les likes, les cœurs, partagez. Partagez, n'oubliez pas de partager. Au Brésil, quand les célébrités prennent la parole, ce n'est pas pour venir soutenir les dictatures. Tu soutiens la dictature, tu sais ce qui t'attend. Eto'o est exactement en train de faire ce que il est. Eto'o a fait 10 fois pire que ce que Neymar a fait dans son pays au Brésil avant d'aller en Coupe du Monde. Neymar a pris le micro pour aller battre campagne pour un président raciste, vulgaire, bandit, qui a retiré. C'est-à-dire que pendant qu'on se bat, pendant que Lula da Silva, qui est actuellement au pouvoir, s'est battu pendant des années pour les droits de la communauté noire du Brésil, duquel est issu Neymar. D'où vient Neymar? Neymar vient de la communauté afro-brésilienne. Président Lula da Silva s'est battu pendant des années pour les droits des noirs brésiliens, des afro-brésiliens. Neymar, parce qu'il a un peu de sang mêlé, il s'est rattaché du côté des blancs. J'avais déjà fait un live ici pour expliquer tout ça. Quand Pelé était mort, mon live, vous pouvez encore le retrouver. J'avais donné beaucoup d'informations et beaucoup de détails à l'intérieur. Parce que nous travaillons sur cette thématique-là. Le peuple noir, où qui se trouve sur cette planète Terre, nous travaillons et nous connaissons exactement quelle est leur situation. C'est pour ça que quand je vois les gens qui s'agitent, mes morts qui sont sur le continent africain m'intéressent d'abord.
Le peuple noir à travers le monde où il a attaqué, nous nous sentons concernés directement. Les autres peuples également, nous nous sentons concernés parce que nous sommes dans ce monde, nous sommes des frères en humanité. Mais en priorité, nous avons nos morts qui nous intéressent. Nos morts au Congo, nos morts au Nozo. N'est-ce pas? Tous ces peuples-là, leur situation nous intéresse. Y compris les Noirs de Palestine qu'on ne vous montre jamais. Les Afro-Palestiniens. Tapez sur YouTube, communauté afro-palestinienne. Les Noirs descendants d'esclaves qui sont en Palestine depuis des siècles. Qui vivent dans un apartheid. Ils sont interdits de se marier aux femmes arabes. Tout est bloqué là-bas. Ils sont considérés, c'est la plus basse extraction sociale, la plus basse couche sociale de la société palestinienne. Mais allez voir les nègres. Quand on dit que là-bas, on a tué quelqu'un, on a lancé une bombe ou ceci, on est tous contre ça, bien sûr. Les mêmes qui vont se plaindre que ah, les autres nous tuent sont les mêmes qui, au quotidien, piétinent les Noirs de Palestine. Ça ne les intéresse pas. Comme vous allez voir 130 000 personnes dans un terrain à Kinshasa, au Congo, en train de crier Jésus, Yahweh. À côté, on est en train de massacrer leurs frères à l'est du Congo. Plus de 15 ans que ça dure. Plus de 20 ans même que ça dure. On est passé à 13 millions de morts. Neymar va se lever et soutenir Jair Bolsonaro, ce raciste-là. Il a subi des choses au Brésil. Vous comprenez? Dans un pays normal, ça met le taux. Je ne sais même pas. Il se lève au Cameroun, il dit voter pour Paul Biya. Et quand le peuple est contre lui, les gens disent que non, c'est parce qu'on est jaloux, on est haineux. Est-ce que ce que je dis là n'est pas logique? Est-ce que ce que je suis en train d'expliquer là n'est pas raisonnable? C'est incroyable. On a vu ici le jeune Nahel qui a été fusillé, assassiné ici par à bout portant par un policier français. Kylian Mbappé a fait un tweet en quelques secondes. Ce n'est pas normal de tuer un mineur de cette façon. Qui plus est, ce n'est pas normal de tuer un humain de cette façon. Qui plus est un mineur. Kylian Mbappé, son seul message, ça a bougé la France. C'est à côté de nous ici à Nanterre que le petit a été tué. Kylian Mbappé, il est du côté du peuple français. Il n'entre pas dans ces choses-là. Il a porté ici la cause de Nahel, du petit Nahel. Eto'o au Cameroun va dans les régions anglophones où on massacre le peuple depuis 2017. Il va manger du soya. Il dit, regardez, hein, on dit qu'il y a la guerre ici, il n'y a pas de guerre, regardez. Parce qu'il va arriver à la Fekafoot. Et il y a des gendarmes autour de lui. Eto'o manque au peuple. Insulte le peuple, comme quoi il n'y a pas de guerre au Nozo. C'est incroyable. Eto'o ne dira jamais rien. Les Camerounais qui meurent tous les jours. Ils s'en foutent. C'est le Camerounais le plus suivi. Avec au moins 14-15 millions de personnes abonnées sur sa page. Imaginez si Eto'o un matin se dit comment faire pour changer les choses au Cameroun. 14 millions de personnes qui suivent Eto'o. Non, 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 non. Eto'o ne va jamais tenir ce genre de discours. Il va se lever pour dire, papa, maman, je suis allé chercher votre fils au Brésil, bla, je sais pas où, à Dubaï, quoi, blablabla, bla, bla, qui raconte. Il s'appelle Francis Ngannou, il tape les gens pour vivre. Connerie comme ça. C'est ça le grand Eto'o. C'est une petite personne. Vous avez vu ce qui s'est passé au Brésil? Vous avez vu ce qui s'est passé en France avec Kylian Mbappé? Regardez ce qui s'est passé au Sénégal. Où Sadio Mané s'est levé, il a dit, c'est pas normal qu'on tue les jeunes Sénégalais. Les Boulaye Dia qui viennent d'arriver à l'équipe nationale, qui n'ont même pas encore 20 sélections, Boulaye Dia, tous les joueurs sénégalais se sont levés pour dire que ce qui se passe au Sénégal est inacceptable. Au Cameroun, on tue. Il y a eu Ngouaché, l'équipe nationale n'a jamais porté un seul brassard noir. Il y a eu le glissement de terrain à Yaoundé récemment.
toutes ces histoires-là, rien. L'équipe nationale est juste là pour servir le régime en place. On se sert des victoires des Lions Indomptables à des fins politiques. Quand les Lions gagnent, c'est grâce, c'est sur très haute instruction du chef de l'État. Quand les Lions Indomptables gagnent, c'est par la magnanimité, la volonté du chef de l'État pour le bien. Quand les Lions perdent, c'est à cause d'un joueur. C'est à cause du coach. Et quand ils gagnent, c'est grâce à Paul Biya. C'est comme ça l'argent de nos impôts. Ils sont financés avec l'argent de nos impôts. Et toi, le peuple camerounais lambda, tu n'as pas le droit de dire quelque chose. Nous disons non. On ne peut pas prendre l'argent du contribuable camerounais à hauteur de 100 milliards de francs CFA tous les mois pour acheter les armes, acheter des chars de guerre, pour aller massacrer nos frères anglophones. Nous disons non à cela depuis que la guerre a commencé en 2017. Je faisais d'ailleurs les vidéos à l'époque pour dénoncer cela publiquement. Les vidéos sont encore là. D'autres qui viennent faire pia 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 aujourd'hui n'avaient même pas le courage à l'époque de faire la moindre vidéo à visage découvert. On massacre nos frères et on n'a jamais rien dit. Je prends quel autre pays? L'Angleterre, vous avez vu quand il y a eu l'attentat à Manchester, tous les joueurs de l'équipe nationale d'Angleterre, y compris même le Yaya Touré. Yaya Touré, l'Ivoirien là. Yaya Touré a donné beaucoup d'argent. Parce qu'il dit qu'il a fait fortune. Tout l'argent qu'il a eu dans sa vie, c'est en Angleterre qu'il a eu. Une façon de remercier le peuple anglais. Quand Manchester a été touché, Yaya Touré a versé de l'argent. Les joueurs de l'équipe nationale d'Angleterre, tout le monde. Les Marcus Rashford que vous voyez, tout le monde. En Côte d'Ivoire, on a vu Didier Drogba réconcilier le peuple ivoirien avec son ballon d'or. Se mettre à genoux, demander au peuple ivoirien, s'il vous plaît, arrêtez la guerre. Voilà les grands hommes. Vous imaginez au Togo, Emmanuel Adebayor se levait un matin, commençait à dire que Faure Yassine Bey, c'est le meilleur, voter pour lui, aller battre campagne pour lui. Comme on voit Samuel Eto'o se lever et dire, mon papa Paul Biya, parce qu'il a beaucoup fait pour moi. Quel idiot aussi. Et quand on est contre ça, non, non, on est jaloux, on est haineux. C'est du n'importe quoi. Tu veux prendre quel autre pays? Aubameyang. Vous avez vu ce qui s'est passé au Gabon? Vous avez vu Aubameyang se lever, être contre le peuple? C'est pourtant la figure la plus connue au Gabon, Aubameyang. Je veux prendre quel autre pays? Vous voyez tout ce qui se passe? Vous voyez le feu, l'incendie qui a eu récemment, qui a brûlé pratiquement une bonne partie du Maroc? Comment tous les joueurs de l'équipe nationale du Maroc étaient à bloc derrière? Ce qu'il y a eu en Kabylie, en Algérie, comment les gens étaient en bloc? Je veux prendre quel autre pays? La Côte d'Ivoire, j'en ai parlé. Le Ghana, ce qui s'est passé au Ghana, vous imaginez les Michael Essien se lever, soutenir la dictature? Les Soule Muntari? Mais c'est pas possible. Il n'y a qu'au Cameroun. Et au Cameroun, pour des Camerounais, c'est normal. Dès qu'on est contre cela, ah non, 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 on est jaloux. C'est les Bamileke qui n'aiment pas Eto'o. Donc, au peuple camerounais, n'oubliez pas. Inscription sur les listes électorales. On va voter. On surveille son vote. On gagne dans les urnes. Et quand on aura gagné, maintenant, on se battra pour l'installation de Kamto au pouvoir. Ça, ce n'est pas un problème. La bagarre commencera. Nous, on se prépare pour la bagarre. On se prépare pour la bagarre. Donc, arrêtez de distraire les Camerounais. Avec vos histoires à deux balles de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, le Dieu, si tu n'es pas d'accord avec Eto'o, c'est que Eto'o, c'est que tu es contre Dieu. Si tu es contre Eto'o, tu es contre Dieu. Vous imaginez dans le pays de Maurice Kamto, le pape du droit. Dans le pays de qui? De Séverin Kézé, le génie inventeur. Le Cameroun de Mongo Betty. Incroyable. Le pays de ces grands et talentueux. Samuel Eto'o, on est jaloux de lui parce que s'il part aux élections, il va gagner devant Kamto.
Les mêmes qui disent que quand on n'ira pas parce qu'il n'a pas de députés, ils te disent que Eto va aller, il va gagner. Eto va alors aller, il a les députés aussi. Eto a les députés. Mais quand on n'ira pas aux élections parce qu'il n'a pas de députés. Mais d'après vous, Eto pas, il va gagner. Il n'a pas aussi de députés. Eto a un parti politique. Il a un député. Oh merde. Des fois, il reste comme ça les choses de Camerounais. Il dit que non, moi, il ne parle plus. Ça me dépasse. Ça fait très mal de voir tout ce beau pays-là qui est en train de se détruire. Salut, Tom Lionel. Salut, brave combattant Fadi Jamal. Donc, je disais, on ne lâche pas. On va se battre jusqu'au bout. On va se battre jusqu'au bout. Donc, on, comme je disais tout à l'heure, on s'inscrit et on va voter le moment venu. Ne bavardez pas seulement avec la bouche. On aime Kamto, on soutient Kamto. Kamto a demandé de s'inscrire. Et si vous voulez donner la force à Kamto, il faut qu'on gagne dans les urnes. Il faut donner cette légitimité des urnes à Maurice Kamto. Salut, Pires Le Bambou. Et quand on aura gagné dans les urnes, ce que je précise ici, ne vous inquiétez pas pour l'installation de Kamto à Etoudi. Nous voulons d'abord qu'il gagne dans les urnes, malgré la fraude du RDPC qui se prépare. Nous allons gagner dans les urnes. Et le moment venu maintenant, s'il veut que le pays bascule dans la violence totale, s'il veut qu'il y ait le rungungung, il y aura ça au Cameroun. Et peut-être c'est ça qui va résoudre beaucoup d'autres problèmes. S'il pense que Biya aura 92 ans, on va lui donner un nouveau mandat de 7 ans jusqu'à 99 ans. Nous attendons cette bagarre-là de pied ferme. Nous sommes prêts. C'est pour ça que depuis on ne bavarde plus beaucoup. On fait des sorties de temps en temps. Nous travaillons sérieusement. On ne parle pas beaucoup, mais sachez que le moment venu, ça va parler. Donc, merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était Bertie Le Camit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu, vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. C'était Mumbe Sombumbon. Porteur du message des ancêtres. Otep, Otep, Otep. Très bonne soirée à vous. Et je vous reviens bientôt. Salut.